En fait, je crois que le derrière, c'est du foutage de gueule. Est-ce que vous voyez des trous, le derrière? Apparemment, il y a des ratés derrière, mais je suis pas sûr, les gars. Ça va ou... Aucun trou? Ok, ça va. S'il n'y a pas de trou, ça va. Je sais que je peux comeback. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai un feeling de comeback. Je sais pas spécialement sur quel game. Depuis tout à l'heure, je l'attends. C'est encore jamais arrivé. Mais au bout d'un moment, ça va arriver. Hein. Au moins avoir une chance ou deux de comeback. Donc, je persiste dans l'effort. Et c'est une belle leçon de vie. Pas sûr de celle-là. Allez, on se laisse sur une petite pub, les gens. Laissez-moi vous présenter les caleçons Freegun. Est-ce que vous avez vu quand vous allez sur le site Freegun? La grosse tête de Sakor en mode officiel. C'est moi, wesh. Non, mais ça, je savais pas, tu vois. Hop, morte. J'ai tiré même pas pour elle, hein. Ouais, mais t'as... En gros, c'est fur. Une fois que t'as compris qu'il fallait jouer ça, qu'il fallait jouer ça, qu'il fallait jouer ça, qu'il fallait jouer ça, qu'il fallait jouer genre ça, allez, ça peut passer de temps en temps, ça c'est très fort aussi. Une fois que t'as compris qu'il fallait jouer ça, le jeu devient facile. Yes. Allez, let's go crêpe. Le meilleur joueur d'Europe est ici, il joue Wario. Dans tous les cas, c'est Wario, tu vois. Oh non! What? What? Il a fait! Oh la folie! What the fuck? J'ai été. En fait, j'ai eu un message d'un rioter qui m'a dit. Il m'a dit urgent, Narcus doit passer en loser queue, go int. Du coup, bah je vais int. Qui c'est Kim Hiddleston? Ah, aussi, c'est la support de Solary Academy. En fait, c'est un entraînement que je fais. Vous connaissez Dragon Ball ou pas? En fait, Dragon Ball, quand il veut s'entraîner sans Goku, il se met des poids pour courir. Bah là, je me mets un poids, à savoir Mid Descent, pour climb en solo queue. Et comme ça, dès que j'enlèverai le poids, je vais monter tout droit. Attends, je suis en train de regarder un clip de toi. Je vais rien dire, c'est un plan, mais c'est pas grave. Je te mets des poids, je suis un poids. Très bien. Ouais, c'est une blague, t'inquiète. Ouais, c'est une... Je rigole. Descendez. Entendu, j'arrive. J'ai un grès, vous savez. Ah si, c'est un nain. Non. Mais dis pas qu'il est mort comme ça. Mort. Oh, mais quel con! Un ami qui arrive. Ça m'a hit, ça? Le Q-Spell, pour moi, je l'avais dodge, mais... Apparemment, pour moi, oui, mais pas pour Riot. Et en gros, il t'explique que les pyramides sont un multiple de pi. Enfin, bon, j'irai même plus loin, hein. Ça se trouve, ma bite est un multiple de pi. Et pourtant, je suis pas un pharaon, tu vois. Oula, non, mais c'est pour une image. C'est une image. Non, mais la Terre est ronde, hein. Non, mais pensez pas que je suis platiste, hein. Parce que là, je vais le prendre pour une insulte, hein. Pensez pas que je suis platiste, hein. Ah non, par pitié. Hop, hop, et voilà. Et voilà, série de 3 victoires. On est là. Ouais. Oh les rides. Un livre ouvert. Là je grabe. Là je vais taper en bas. Voilà. Je peux tout vous dire. Hein. Firma spéciale. Je vais taper en bas. Voilà. Finish. Merci sus ma queue. Bah, j'imagine que c'est Luffy là, un bras qui est juste grand. Ah oui, ok. Mm-hmm. Pas c'est vraiment Luffy. Salut à tous. Ça va être cringe. En vrai, il est quelle heure là? 21h30. Peut-être ça va être cringe la première demi-heure. Après, on va se boire un petit verre, je pense, non? Pour se donner le courage d'aller parler aux gens avec nos tableaux de merde. Tu veux dos? Non, t'es notre professeur. Ouais, mais moi, en fait, le truc c'est qu'une fois que t'as envie de ton tableau, tu peux partir. Moi, j'ai envie de mon tableau.
Les tableaux en vrai, s'il vous plaît. Tu veux en acheter? À la Roi-Cha. Il est dans le bon sens. Franchement, il est dans les deux sens. Il est bien en vrai. Non, en vrai, il rend mieux que. Il y a des sons qui rend mieux que. Il rend mieux que la caméra. Tu veux l'acheter? Ouais, c'est intéressant. 20 euros. Et on essaye de les vendre même. Et le but c'est de les vendre? Ouais, mais même là pour l'instant je crois qu'on est à 9 euros et chaque 10 minutes ça descend de. Je te prends la truc là, 1 euro. 1 euro? 5 euros, 5 euros, 5 euros. Laquelle? Le blanc là? Ouais, le blanc avec le sgeg qui est caché. Voilà. Quoi? Non! Pas 5 euros! Non, non, ça tu. Non, mais. T'es bourré? T'es un pote de. Non! Quoi? Non, non! C'est vous qui avez fait ça? Ouais, les gars, vous êtes des merdes en vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Vraiment, les gars, je te jure, putain. C'est vendu? C'est vendu. C'est vendu. Oh là là. Merci beaucoup. Ah bah tu vois que tu l'as vendu ton tableau. Eh ouais, eh ouais. Tu m'as merci. Tu vois, tu penses que c'est grâce à toi, hein? Ouais, bah ouais, ouais. Je l'ai dit, je te le vendrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, t'as rien fait dans la vente, mais en vrai. Ouais, j'ai mis de la volonté. Bah ouais, c'est ça le principal. Eh, Sakor, on avait dit 50-50 par contre. Hein. Oh, t'as même plus que 50 là, frère. Ouais, 50-50, c'est vrai. Je t'ai vendu ton tableau. T'as pas vendu. Non. Non, si, non, en vrai, il était là. Le chinois, il va pas. Je suis pas chinois, wesh, arrête. Cambodgien. Voilà. Qui a gagné combien là? Moi, 20 balles pour une œuvre. Que c'est le meilleur artiste. Non, moi, 20 balles aussi. Qatar, t'as vendu combien d'œuvres? Deux. Une à 10 et une à 5? Ouais, mais j'aurais pu la vendre 20. Hein. Ouais, elle était prête à donner 20 balles. Je me serais senti mal, mais elle était prête à. Ok, 15 balles. Sharky? 10 et 5. 10 et 5, t'as 15. Ouais. Ah non, ah non, ah non, 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 ah non, casse-toi, ah non, t'es chiant là, ah t'es chiant, ah non, dégage. Bah non, mais les gars, c'était Macron, genre, il voulait que je lui fasse croquer le topin, mais c'est un zinzin lui. Il est trop fort, il est dans sa tête, c'est fini, il peut même pas jouer. Oh, oh là là. Oh, il lui fait de la folie, il lui fait de la purée. Non. Oubliez pas de. Venez, les gars. Attendez, venez. Les gars, c'est où? C'est où dans le shop? Mais il est trop drôle dedans, non, Hux, déjà, j'en peux plus! Je trouve pas les bottes dans le shop! Mais non, c'est des potions, c'est cool! Je trouve pas les bottes dans le shop! Putain, on a juste par contre la taille du dog, hein! Ma Fiora vient de casse dans le vide! Des bugs encore! Les bugs de Qatar, numéro 25. Plus tu te plains, plus t'es fort. Oui. C'est à ça que tu reconnais les meilleurs joueurs de TFT. Un mot. En fait, le seul truc plausible des mecs qui débattent sur le fait que l'humain n'est jamais allé sur l'homme. On a rush dans l'autre centre de padel de rage pour aller prendre un cours. Et en vrai de vrai, c'est OP. Prendre des cours dans les sports sur lesquels bah t'es un noob, c'est trop trop broken. Du coup là, je le dis, je suis une salope si je repère un seul match dans ma vie contre Narcus. Voilà, je vous le dis. C'est impossible que je reperde une seule fois dans ma vie contre Narcus au padel. Si je perds, franchement, je me tabasse les burnes, voilà. Ok, je fais quelques dégâts, je crois. Je suis pas sûr, les gars, mais... Je crois que j'ai fait quelques dégâts. Ça doit être tellement fatigant. Putain, je suis trop chaud, si il fait chaud. Non, ça va, ça va. Tu vois, on va jouer au Rocket League, c'est pas trop chaud. Non, mais Rocket League, on peut jouer en hiver, j'aurai chaud quoi qu'il arrive. C'est le jeu que j'y joue, mon corps devient un radiateur. Dungeon Bomb? Non, Rocket League. Ah, trop de concentration. Ouais, c'est ça, je passe en surchauffe. Elle est où la vidéo avec Wax? Je lui prends le cul.
T'inquiète, elle arrive. Ça a mis très très bien. Et oui, il invade, bah oui, bah forcément. Exactement, ouais, mais là, il le tue au golem. Non, non, passe pas par là, frérot. Bah, les deux sont ward. Est-ce qu'il va flash? Non, il va pas flash. Oh, il va flash. Smite. Non, il avait pas de smite. Mais pourquoi? Là, voilà, du foncier dessus, Aurora qui arrive en fufu évidemment, parce que ce personnage a de l'invisibilité si vous ne saviez pas. Et Shao qui va se faire vaporiser, attention, ouais, attention. Tout de même à Burdol avec un ultimate magnifique, mais le problème c'est qu'il y a le barrage de plomb derrière. Attention à Shao tout de même qui peut faire la différence, mais Shuo qui va réussir à connecter, sa lance du zénith, les gars sont très très bons et Aurora continue à faire un massacre dans la backline. Maintenant c'est Shanji qui arrive avec une gold card, on va essayer de foncer sur Burdol qui va se faire connecter et l'enchaînement de CC est absolument massif. Le top laner coréen ne pourra pas survivre et NIP n'aura même pas besoin d'un second Ashore pour finir cette game. Ça devrait faire 1-0 pour ce fight, il aurait pu récupérer deux waves en side, passer 14, 15, ça déroule. Oh, bah, oh le stun, très bon buffer incroyable de la part de Dogum. Par contre, le win de Phaser est excellent également. Zilizi qui va réussir à bien pile, il n'y a plus de tour par contre, il y a une TP. Titi qui peut essayer d'avancer, car il a un, les gars. Le flashing de Yukal qui prend ses responsabilités, là il fait complètement perdu. Et ça y est, les amis, ça y est, Titi semble avoir pris la mesure de l'agressivité de FPX. Il semble être en capacité de les punir à chaque erreur dans ce teamfight sur le Gnar. C'est un 5v4 qui pourrait se négocier sur le Nashor, mais on n'a pas encore enlevé de carry côté LGD. Très sceptique là-dessus, il y a une plante dessous, ok, excellente là-dessus, on va avoir un engage et ça va peut-être réussir. Ah, one shot à Tristana. Le mastermind, Shuo, le mastermind qui va trouver ce blasting qu'on a amélioré, absolument géant. Et là ça va jouer directement ce dragon, il y a l'ulti en zoning, on peut pas le voler, le bump et Shaoi. Le bump sur Shaoi qui est absolument génial. Et derrière Rookie qui va réussir à prendre le kill, Shinjiao qui essaie de rentrer mais qui va se faire attraper par Shuo. On va aller chercher ce kill pour Fautique, peut-être un ultimate en trop, mais attention, Shaoi qui tente une action en solitaire mais il se fait rattraper par Rookie. Maintenant Rookie a scale, maintenant Rookie a trop d'avance et Rookie va pouvoir chase, attention tout de même. Il y a Météor et là est-ce que Shaoi peut turn, il doit le tenter. Oh là là, Rookie immortel qui est bon. Rookie qui va trahir les dégâts. Oh, l'ultimate. Et la bombe qui va venir au bout de Rookie. Et oui, les dégâts normalement sont suffisants. Quoi que non, il a pas mis l'auto. L'auto-attaque, ça suffit pas. C'est pas possible le jump, c'est bon. Et Shao qui va gratter ce solo kill.